Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous, 18h pile en ce jeudi soir 12 janvier 2017. On est ravis de vous retrouver, c'est parti pour 1-0-1 live. On est retourné dans notre studio parisien après un CES de Las Vegas plutôt passionnant. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Et c'est reparti pour une saison entière de 0-1 live hebdo, la seule émission qui débriefe chaque semaine toute l'actualité tech en direct de 18h à 18h30 le jeudi. Voilà. Tu veux savoir de quoi on parle ce soir? Ah bah j'aimerais bien, Jérôme, parce qu'en plus j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir quand même de grands moments dans ce 0-1 live. Vous n'allez pas le regretter. Non. L'iPhone a 10 ans. C'était en 2007 que Steve Jobs a dévoilé ce produit qui a révolutionné la téléphonie, la mobilité d'une manière générale. Alors dans ce 0-1 live, on va faire le point sur un aspect particulier, l'évolution d'iOS, le système d'exploitation de l'iPhone, avec Jean-Sébastien Zanchi qui est maître iOS. Oui, mais on peut le dire, hein. Vous savez qu'il y a des maîtres sushi, et puis il y a des maîtres iOS, il a eu son diplôme il n'y a pas longtemps. Et puis vous découvrirez aussi un document d'époque, les amis, la vidéo de deux tout jeunes journalistes high-tech qui, en 2007, étaient partis à New York acheter le premier iPhone. Voilà. Oui. Alors là, vous allez voir, ça vaut le déplacement. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je crois que Lina peut avoir ce document. Exactement. Hein. Ça vaut le coup. Le CES de Las Vegas, tu l'as dit, il vient de s'achever. Que faut-il retenir de cette édition 2017? Des téléviseurs ultra fins, des casques de réalité virtuelle, des ordinateurs de folie, mais aussi des objets connectés improbables. Avec Raphaël Grably, on va revenir sur les tops et les flops du CES 2017. Et puis ce CES aura été dominé aussi par un acteur du numérique et une innovation, c'est l'Amazon Echo. Vous savez, ce petit assistant virtuel d'Amazon qui a véritablement dominé ce salon du CES de Las Vegas. C'est ce que va nous dire en tout cas Delphine Sabatier, qu'on va retrouver pour le Zoom Actu dans quelques minutes. Comme chaque semaine, les spécialistes du labo de 01net vont nous rejoindre pour nous présenter les derniers joujoux qu'ils ont reçus, qu'ils sont en train de tester. Le premier iPhone, d'ailleurs. Alors, le premier iPhone, bien entendu. On n'a toujours pas fini les tests d'autonomie, je crois. Non, c'est ça. C'est ça. Sinon, François Benin va venir pour nous présenter un casque Beats. C'est un peu en rapport avec Apple, hein, finalement. Exactement. Et puis Jean-Sébastien, encore lui, va venir nous dévoiler devant vos yeux ébahis le nouveau smartphone Xiaomi Mi Mix. Le Mi Mix. Le Mi Mix. Eh oui, pourquoi pas. Mignon, hein, il y a Xiaomi Mi Mix. Ouais, on va se faire des Mi Mix. Très bien. Sinon, il y a une question orange. Ah bah oui, ça. Et puis en plus, c'est une belle question orange, comme vous les aimez, hein, celle-là. 10 ans après, les amis, l'iPhone est-il toujours le smartphone de référence? Question quand même assez importante. Voilà. Alors la question orange, c'est tout simple. Vous allez sur www.01net.com, vous votez et on fait le point en cours d'émission. Surtout, c'est important, on a besoin de votre avis. Allez-y, donc 01net.com pour nous donner votre avis concernant l'iPhone. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo, bienvenue à vous tous. Que faisais-tu, François, le 9 janvier 2007? Écoute, je pense que j'étais... Tu avais 13 ans? Devant mon petit ordinateur avec Windows XP, je pense, avec ma connexion Wi-Fi à 1 mégabit par seconde, et je regardais, je pense, la keynote de Steve Jobs. C'était déjà retransmis en vidéo? Oh, je pense, ça, je me souviens je pense plus. Que c'était en streaming. Enfin, alors, ouais. Jean-Sébastien Zanchi qui est avec nous pour parler d'iOS. Salut Jean-Sébastien. Bonjour. Salut. À tous. Bonjour. Alors juste une chose, on est en direct hein, les amis, donc hashtag 01 live sur Twitter si vous voulez réagir et poser vos questions à Jean-Sébastien ou à toute la rédaction de 01net. Et tu confirmes Jean-Sébastien qu'il y avait déjà une stream? Je suis pas certain que celle de l'iPhone était en direct, ils en ont fait en direct, après ils avaient arrêté, maintenant ils s'y sont remis, mais c'est possible quand même parce qu'étant donné l'importance de la conférence, je pense en tout cas, elle est restée hein, parce que cette vidéo, on la trouve facilement sur YouTube, etc. Oui, bien sûr, elle fait partie des keynotes les plus téléchargées hein, sur iTunes. On a des images de ça tout ou à fait normal, non? Oui, Pierre, on a des images, bien sûr. Il est sûr, en train de chercher, là, son carton. Voilà, regarde. Voilà, regarde ça. Attends, ça, c'est quand même historique. Non, mais c'est vrai que ces images-là, c'est incroyable, quoi. C'est comme un grand film, hein. Ouais, c'est une keynote modèle. En plus, la manière dont il tease complètement. Au début, il dit qu'il va proposer trois appareils. L'iPod, l'iPhone, un appareil qui se connecte à Internet. Qui se connecte à Internet. Et après, il dit que c'est bien sûr, c'est un seul appareil. Enfin, voilà, c'est assez bien, bien raconté, quoi. C'est sûr, quand on le revoit. Donc, 9 janvier 2007. Et puis alors,
Ça, c'était aux États-Unis. Ouais. L'iPhone, évidemment, est sorti quelques mois après, mais uniquement aux États-Unis. Mmh. Hein, dans un premier temps, en ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Il fallait attendre quand on n'habitait pas aux États-Unis. Et ouais, il fallait que le bateau traverse l'Atlantique, etc. Et alors, j'en connais deux qui étaient déjà un peu cinglés. Ouais, et je ne vois pas de qui tu parles, mais voilà. Et à ce moment-là, alors quelques mois après, je sais plus, je crois que c'était vers le mois de septembre. Oui, c'était en septembre. C'était en septembre. C'était en septembre. Oui, c'est on vrai. Était parce qu'on était tout bronzés. Voilà, on était parti à New York. On était parti à New York. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pour tout vous dire, on était parti à New York avec un constructeur de smartphones concurrent d'Apple. Et on était allé, voilà, la première truc qu'on avait faite en sortant de l'avion, c'était d'aller à l'Apple Store acheter un iPhone. Enfin, les mecs un peu fous. Et alors, vous savez quoi? À l'époque, on avait une petite caméra. Oui, oui. On commençait à filmer. C'était la chaîne techno, ancêtre de 01net TV. Et donc, cet événement extraordinaire, on l'a filmé. Et on a retrouvé la vidéo. Alors, vous allez voir qualité ORTF. Hein, on vous dit tout de suite. C'est du CECAM à 400 lignes. Voilà. Si tu peux y aller, hein, Pierre. Allez, c'est parti. Allons-y, vous allez voir. Déjà, bon, beau générique, hein, franchement. On s'était fait plaisir, hein, à l'époque. Et regardez. De la 5ème avenue. Qu'est-ce qu'il y a à la 5ème avenue? C'est tout. Je le donne en 1000. À l'Apple Store. Ouais. Il n'y a pas de Conforama encore, mais il y a l'Apple Store. Ouais. C'était un événement pour nous. Voilà, hein, ça n'existe pas encore en France. Et voilà. Et je pense qu'on va craquer. Adieu. Adieu la carte. Jérôme, je trouve que t'as une mine réjouie, mais je sais pas trop pourquoi là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as rencontré une nouvelle fiancée? Ouais. Elle s'appelle iPhoneette. Oula, c'est une fiancée de petite taille. Même le sac est collector. Ouais. 5ème avenue. Bon, ce qu'il faut dire quand même, François, c'est que je ne suis pas seul fautif dans cette affaire. Ouais, parce que j'avoue que moi aussi, j'en suis aujourd'hui. Tu n'as pas fait mieux. Ouais, c'est un peu professionnel. Ouais. En pleine tromperie technologique. Bon, puis alors, on a eu beaucoup de chance puisque, effectivement, on l'a acheté aujourd'hui même, jour de la baisse des prix. De l'iPhone. Ouais, au lieu de payer 599, on est à 399 pour le 8Go. Donc plutôt bonne affaire, quoi. Ouais. Tout ça pour le boulot. Hein. Oui, alors, dans le contexte, un petit générique à la fin. Bah, qu'est-ce que tu veux? On a pris 10 ans dans la gueule, hein, qu'il y a de ça. On peut chipoter pendant des heures, c'est comme ça. Et tous ceux qui pensent que YouTube a été inventé hier et les YouTubeurs avant-hier, voilà ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et oui, et c'était sur YouTube à l'époque. Hein. Bien sûr, c'est pas sur YouTube. Ouais. Donc, ce qui s'était passé en septembre, c'est que l'iPhone ne marchait pas vraiment énormément. Ouais. Et puis, rappelons qu'il était couplé à un abonnement AT&T. De 2 ans. Mmh. Et il n'y avait pas de subvention ou très peu de subvention, donc on payait le téléphone plein pot. Et on venait d'apprendre quelques jours avant que le prix de l'iPhone, justement pour relancer les ventes sans doute, allait baisser. Et alors nous, déjà qu'on hésitait là, on n'a plus hésité du tout. Avec Jérôme, on s'en était offert un. Et je me souviens en plus. On n'était pas du tout certain que ça puisse fonctionner en France. Non, parce qu'à l'époque, comme il était bloqué sur AT&T, on attendait le jailbreak, parce qu'il y avait déjà le jailbreak à l'époque, qui te permettait de mettre n'importe quelle carte SIM et qui lui permettait de marcher en France. Et on attendait donc avec ferveur ce jailbreak. Et le jour où il était arrivé, on avait pu mettre une carte SIM. Et là, autant vous dire qu'à Paris, on frimait quand même avec l'iPhone. Ah oui, là c'était on était quand même parmi vraiment les premiers, les et tout puis premiers. Et sans c'était... vous dire que le haut débit, ça y allait, hein, parce que c'était de l'edge. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, quelques jours après, on était allé à une conférence de presse d'un autre constructeur. Hein, qui commençait à nous parler de ses produits, etc. Et nous, négligemment, on sort l'iPhone. Et le type s'arrête de parler. Ouais, et voulait. C'est l'iPhone. C'est l'iPhone. Ouais, ouais. Et la discussion a duré pendant un quart d'heure autour de l'iPhone. Je crois que c'était Samsung. C'était Samsung, ouais, peut-être. C'est le seul appareil pour lequel on m'a arrêté dans la rue. On avait l'iPhone aussi à l'époque. Quand je l'avais eu en juin ou en juillet. On l'avait pris depuis les États-Unis. Et il y a une petite mamie dans un bus qui m'a fait. Mais c'est l'iPhone que vous avez. C'est trop mignon. C'était vraiment. Et c'est le seul appareil qui provoquait ça, quoi. Bon. Alors ça, donc, on est en 2007, les amis. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Les iPhones ont évolué, on est passé de 3,5 pouces à maintenant des mastodontes avec l'iPhone 7, 6 et 6 à 7 pouces, hein. Non, 5,5 pardon. iOS alors? Parce iOS, que, iOS a beaucoup évolué quand même. Et puis, en fait, c'est justement, on a fait beaucoup de papiers sur les 10 ans de l'iPhone en début de semaine. On s'est rendu compte en regardant la keynote justement dont on parlait
que quand même iOS a tellement jeté les bases de ce qu'est maintenant la téléphonie mobile, c'est-à-dire toute la gestuelle et les fonctionnalités sont vraiment complètement héritées de d'iOS, c'est-à-dire que on voit Steve Jobs qui fait son slide to unlock tout simplement, donc le glisser pour déverrouiller l'écran, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas. Mais ça, ce geste à l'époque, c'était mais carrément révolutionnaire. Et quand il fait ça, la foule est en délire. Enfin, les gens applaudissent, font mais waouh, c'est sûr. Incroyable. Enfin, vraiment, ouais, c'est roulé par terre. C'est complètement dingue. Et puis dès qu'il est déverrouillé, il lance donc l'application iPod qui s'appelait iPod à l'époque et pas musique. Ouais. Et il fait bah voilà, là on a la liste des artistes. Alors comment je vais la faire défiler d'après vous? Et alors tout le monde se demande et il prend son doigt. Et il fait glisser le doigt sur l'écran et là on voit la liste et là pareil les gens sont par folie totale qu'est-ce qui se passe voilà, on fait simplement scroller une liste avec son doigt, ce qui est maintenant complètement naturel, et là aussi vraiment la foule en délire. Même chose pour le pinch sur les photos, vous savez ce qu'il appelle le pinch, c'est zoomer sur la photo en écartant les deux doigts, c'est quelque chose qui existait absolument pas, et là pareil il impressionne tout le monde. Et toutes ces innovations d'interface et d'ergonomie se retrouvent maintenant complètement dans les smartphones. Par exemple aussi sur les SMS, par exemple les SMS avant c'était on recevait un SMS qui était complètement décorrélé de celui du même correspondant avant, et puis on s'y retrouvait plus dans la série des SMS. Oui, il n'y avait pas le fil de conversation. Et là c'est une présentation à SMS façon chat, comme un logiciel de chat de l'époque, comme on était sur Caramel ou Yahoo Messenger, et ça sur les SMS c'était quelque chose et qui a été repris ensuite par tout le monde également, et c'est devenu la norme aujourd'hui. C'est devenu la norme. On n'imaginerait pas que ce soit autrement. Il y avait aussi un truc génial, c'est la messagerie vocale visuel. Ça, c'est quelque chose. On appelait son répondeur, on avait 5 messages, on était obligé d'écouter les 4 messages précédents pour avoir le dernier, qui était peut-être le plus urgent. Et il dit, mais pourquoi on ferait ça? Et donc, il y a une présentation qui est une interface où on voit les messages de ses correspondants les uns après les autres. Et on peut les écouter dans le sens où on veut. Et ça, c'était quelque chose de complètement révolutionnaire à l'époque aussi. Et ils avaient d'ailleurs fait un partenariat avec AT&T à l'époque pour pouvoir implémenter cette fonctionnalité, parce qu'il fallait faire aussi des aménagements sur le réseau de l'opérateur. Donc il y a vraiment plein de fonctionnalités qui n'existaient absolument pas avant et qui ont jeté vraiment les bases des smartphones modernes et qui sont toujours la norme actuellement 10 ans après. Voilà pour cet iPhone 10 ans on peut dire malgré tout l'iPhone a complètement révolutionné les usages, j'allais dire du smartphone, mais même d'une manière plus globale des technologies. L'ergonomie iPhone, c'est une ergonomie aujourd'hui complètement. Mais vraiment je vous conseille de regarder cette keynote qui est incroyable, tout est là sans compter l'émotion d'un Steve Jobs qui était pas encore malade vraiment, qui était en pleine forme, et puis il était hyper content en plus. Il jouait beaucoup avec l'humour. Ça, c'est... Oui, et bien sûr. Il y a beaucoup d'humour. Je l'ai revu l'autre fois. Oui. Et en fait, on se rend compte à quel point l'humour, ça permet de faire passer. Complètement. Évidemment, c'était un vrai homme de show. C'était un showman. C'était un exploit, cette keynote, parce qu'en fait, l'iPhone ne marchait pas très bien. Oui, il y avait plein de bugs. Il était bourré de bugs. Alors, ils avaient défini ce qu'ils appelaient un golden path, le chemin doré qu'il fallait absolument emprunter, c'est-à-dire la suite d'instructions qu'il fallait faire, sinon ça plantait. Et ça a planté à tous les essais avant, je crois. Oui. Jusqu'à la keynote, parce que Steve Jobs était quand même, il savait ce qu'il faisait, et lui, il ne s'est pas trompé en faisant les manips, et là, parfaitement bien déroulé le truc. Incroyable. Enfin, voilà. 10 ans après, l'iPhone est-il toujours, selon vous, le smartphone de référence? C'est la question 01net Orange du jour. Vous pouvez voter, donnez-nous votre avis. Voilà déjà une première tendance. Bah oui, vous répondez non à 54%. On va voir si ce ratio évolue. Ouais. Allez sur 01net.com et n'hésitez pas, hashtag 01live. Et la petite vidéo, tu veux la revoir? Oui, parce que je crois qu'on a eu un petit souci technique sur YouTube et il y en a qui n'ont pas vu le début du live. Si vous voulez, on se la refait. Allez, on se la refait vite. On est déjà un peu à la bourre, mais bon, allez, on y va. Allez, une minute. On se la remet, Pierre. Allez, allons-y. Allez. 2007. Donc 2007, là. Baby Gabar got a slice of pizza. My name is Robert Jayton. It's nice to meet ya. Jérôme, on est à une station de la 5ème avenue. Qu'est-ce qu'il y a à la 5ème avenue? Je te le donne en mille. À l'Apple Store. Ouais, il n'y a pas de Conforama encore, mais il y a l'Apple Store. Ouais. Bonsoir, regarde ce que j'ai trouvé. Voilà, ça n'existe pas encore en France. Mais je pense qu'on va craquer. Adieu la carte.
Jérôme, je trouve que t'as une mine réjouie, mais je sais pas trop pourquoi là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Regarde ça. T'as rencontré une nouvelle fiancée ? Ouais. Elle s'appelle iPhonette. Oula ! Regarde, c'est ça. Une fiancée de petite taille. Même le sac est collector. Ouais. C'est qui m'est venu. Bon, ben, ce qu'il faut dire quand même, François, c'est que je ne suis pas seul fautif dans cette affaire. Ouais, parce que j'avoue que moi aussi, je suis. Tu n'as pas fait mieux, hein. Ouais. En pleine tromperie technologique. Bon, puis alors, on a eu beaucoup de chance, puisque effectivement, on l'a acheté aujourd'hui même, ouais. Jour de la baisse des prix de l'iPhone. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 599, on est à 399, voilà, pour le 8 Go. Donc, plutôt bonne affaire, quoi. Ouais. Tout ça pour le boulot. Hein. Voilà, séquence nostalgie. Donc, on était en 2007. Ouais. On n'a pas vieilli, hein ? Non. Un petit peu là. On va le dire vite. Tout petit peu. Franchement, c'est pas grave. Revenons en 2017. Allez, avec ce CES qui s'est terminé il y a quelques jours, Raphaël Grabi est avec nous. Bonsoir, Raphaël. Salut. Alors, bon, le CES, on en a parlé dans tous les sens, ouais. Avec une couverture exceptionnelle, hein, sur Zeronet TV, 4 heures de live, une trentaine de vidéos, de reportages qui vous attendent sur Zeronet TV. Franchement, pour vivre ce CES en vidéo, il fallait passer par Zeronet TV. On va essayer de s'intéresser à un angle un peu indifférent, voir ce qui a marqué ce CES, ouais. Et ce qui voilà, était plutôt des flops. Oui, bah, dans les tops, on va parler quand même d'Alexa. D'Amazon, alors on va en parler brièvement parce que... Oui, parce que Delphine va y revenir dans un instant. Il va revenir longuement, mais on est obligé de dire c'est que... C'est le vainqueur du CES. Oui, alors qu'ils fabriquent rien. Et alors qu'ils n'ont rien annoncé de nouveau. Ils n'ont rien annoncé. C'est les autres, ils ont laissé faire le boulot par les autres. C'était génial, c'est une bonne stratégie. C'est-à-dire qu'il y avait Alexa sur tous les stands. Il y avait Alexa partout, il y a 20-30 appareils Alexa. Et donc finalement, sur l'intelligence artificielle avec la reconnaissance vocale, bah, c'est peut-être en train de devenir le futur Android de la reconnaissance vocale, ouais. Ou carrément le Windows. Voilà, ils font ce que Microsoft a peut-être fait il y a 30 ans et il y a 10 ans avec Google. Voilà, si ça se trouve, on est au début de quelque chose avec des partenariats, avec Uber pour les pizzas, tout ce qu'on veut pour pouvoir commander, faire tout ce qu'on veut chez soi directement à la voix. Ça va être vraiment une utilisation qui est nouvelle, que les gens apprécient énormément. Ils ont été eux-mêmes assez surpris par le succès du Echo, etc. aux États-Unis. Oui, donc, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Exactement, hein. Il est sold out d'ailleurs partout. Il y a Google partout. Derrière qui a répondu, sauf que les autres répondent pour le moment avec des produits et Amazon a pris un peu tout le monde de court en disant bah, « nous, on distribue partout ». C'est notre logiciel, c'est accessible à tous. Il y avait déjà même, c'était accessible sur Internet. Mmh. Donc, il y avait déjà un petit indice là-dessus. Donc, voilà, pour moi, le vainqueur de ce CES, c'est Amazon. Incontestablement, ouais. On est d'accord. Sinon, alors, on a quand même découvert des choses nouvelles. Oui, alors, après, il y a des produits sur le PC, par exemple. Moi, j'ai eu un coup de cœur, c'est le Dell XPS 13, qui est un 2 en 1. Mmh. Alors, voilà, on a beaucoup parlé de MacBook Pro et de ses lacunes. Bah, si on veut quelque chose d'ultra portable... J'ai pu le prendre en main, le XPS 13, comme ça. Donc, en hybride, convertible, bah, je l'ai trouvé tout simplement. Donc, c'est le nouvel XPS 13. C'est le nouvel XPS 13 et le XPS 13 qu'on connaît déjà, ouais. Qu'on a testé au labo. Ouais. C'est juste le meilleur, on va dire la meilleure alternative au MacBook Pro, enfin au MacBook tout simplement. Bon, je ne me suis pas trompé en achetant ça à mon fils, alors. Non, vraiment, pour vous, là, il n'y a aucune erreur. Ok. C'est-à-dire que je m'étais un peu renseigné avant. Le seul petit défaut... Tu n'aurais pas dû prendre le modèle de 2013, quoi. C'est ça le seul problème. C'est con, il y en avait un nouveau, mais bon. Voilà. Mais le seul petit bémol, c'est qu'aux États-Unis, il est vendu 999 €. Et en France, 1400. Donc, Le même ? Ouais, le même. Il y a 500 € d'écart ? Ouais, je suis un peu... J'ai été très surpris quand ils m'ont dit ça. J'ai regardé les configurations. C'était les mêmes. Oui, alors c'est après, l'écart est quand même vachement important. Non, mais c'est important, c'est 500. Bah, c'est 400 € de différence, c'est quand même pas mal. Après, bizarrement, quand on monte, il y a plusieurs versions. Il y a une version Quad HD aussi. Mm. Et quand on monte avec le Quad HD, les écarts sont beaucoup plus minces. Donc c'est vraiment sur le modèle d'entrée de gamme. C'est pas la même stratégie en France. Dell, ils ont mis ça à 1400 €. Voilà. C'est un petit peu dommage. À 999 €, franchement, ça aurait été un truc génial. Ouais. À 1400. Le problème, c'est que si on le prend aux US, on a un clavier QWERTY, quoi. C'est ça le souci. On ne peut pas le faire changer. C'est possible, il faut voir. Parce qu'un Mac, on peut le faire changer. Ça hein. pourrait être utile. Pense, à mon ouais. avis, ça pourrait être le prendre au Canada, peut-être, si on peut arriver à le prendre au Québec. C'est AZERTY ? Ils vendent AZERTY. Ce Raphaël Grabi. Ils peuvent vendre AZERTY. Ouais. Donc ça peut se tenter au Canada, peut-être. D'accord. Au Canada. Ouais, donc, juste un mot, le nouveau, il a donc l'écran qui se détache. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit. Alors, qui se tourne, non, exactement. Il se tourne. C'est quand même une vraie nouveauté, ça. Complètement, c'est dans la lignée des Yoga, des Neo, etc. Rapidement aussi, coup de cœur qu'on a partagé avec François, c'est la Hover Camera, le selfie drone. Ah ouais, ça c'est moi je trouve ça génial. Un petit drone voilà, qu'on déplie. Moi j'ai la mâchoire qui s'est carrément absolument génial. Décroché. Voilà, on appuie sur un bouton, il nous suit, voilà, il nous prend photo. Bon, on s'en servira pas, hein, bien sûr, mais. Oui, on s'en servira 3 fois par an, mais on va s'en servir 3 fois. Quand on va s'en servir, là c'est la classe. Voilà,
on sera content ouais. Et ça coûte quand même $600 hein, cette histoire. Ouais. Donc c'est ouais. Pas donné. Après, c'est pareil, dans les prochaines années, on va espérer que ça baisse un petit peu en prix, que ce soit plus miniature, etc. Dans les autres coups de cœur, alors il y avait très peu d'annonces smartphones. Mais il y a quand même, bon, il y a les Galaxy A qu'on va tester, qui sont sûrement des très bons smartphones, mais dans l'effet un petit peu waouh et un petit peu exceptionnel, il y a le Asus Zenfone AR, qui est le second smartphone Tango, mais qui, à mon avis, est celui qui peut peut-être vraiment faire fonctionner Tango, parce que c'est un smartphone, justement, que les gens vont vouloir acheter sans avoir Tango. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas forcément fans de Tango vont acheter, parce que c'est juste un bon smartphone, a priori, haut de gamme, etc. Et c'est justement le fait d'avoir une base d'utilisateurs qui va motiver, à mon avis, les développeurs à fournir des contenus, ce qui manque à Tango, donc la réalité augmentée. Donc, à mon avis, c'est la bonne stratégie. En tout cas, si ça doit marcher, ça pourra marcher, à mon avis, grâce à ce smartphone. Et mentionnons assez rapidement aussi le téléviseur... Le LG OLED, c'est ça wallpaper, donc comme ouais. Papier peint. Donc c'est une petite prouesse, hein, moins de 3 mm. Impressionnant. Alors, c'était voilà, hyper joli. De toute façon, il y a une vraie tendance hein, sur le salon aussi, sur le OLED. C'est même un top en soi, même le OLED, c'est que tout le monde fait du OLED maintenant, sauf Samsung. Mais on a eu Panasonic, on a eu Sony qui se sont mis ou remis au OLED. Donc voilà, pour moi, top aussi le OLED. Et les flops, Raphaël, parce qu'il y a eu les quelques flops. Petits flops, des, ouais. Des petits bidous d'eau hein, quand alors, même. Hein, y a eu deux trucs. Pour moi, il y a eu un gros flop, c'est Faraday. Là, ouais. Soi-disant, concurrent de Tesla. La présentation, elle est un peu foirée quand même. Il y a même une vidéo où on voit qu'en fait, quand le pilote automatique ne fonctionne pas discrètement, il y a un ingénieur, un type qui rentre dans la voiture pour faire avancer la voiture. Donc, c'est pas hyper crédible quand même. Ouais, ça casse un peu le truc. Non, mais vraiment, ça y se met. Ouais, mais attendez, enfin, en même temps, ils ont pas dit qu'elle était prête cette voiture. Ils l'annoncent pour 2018. Ouais, enfin, 2018, ouais, enfin, on est quand même en 2017. Pas une démo si ça marche pas. Ouais. Tu vois, ah oui, on n'a jamais vu des démos qui marchaient pas. Ouais, non, mais là, moi, j'ai vu des conférences de Bill Gates où la lumière s'éteignait. C'est pas que la démo, ouais. Parce que là c'est 2018, sauf qu'en fait ils demandent aux gens de payer $5,000, parce que faut aussi Tesla, hein. Sauf qu'il n'y a pas la moindre usine, les ingénieurs ils sont en train de se barrer, enfin c'est... On ne connaît même pas le prix de la voiture. On ne connaît pas le prix de la voiture, on ne connaît rien, enfin voilà, on ne sait pas si ça va être la grande surprise ou l'escroquerie, mais ça peut aller d'un côté comme de l'autre à mon avis. C'est intéressant. Voilà, donc il va falloir surveiller ça de très près et si... Je sais pas s'il faut vraiment mettre les donc 5 000 $. Ne conseille pas vraiment. Si vous avez $5,000 sur votre compte, peut-être ne les mettez pas chez Faraday. Attendez un peu, c'est un conseil. Voilà. L'autre flop pour moi, c'est sur la réalité augmentée. Alors les concurrents, il y avait HoloLens dont on a déjà parlé, qui était pas très présent. Et on n'en a pas trop entendu parler à la réalité augmentée, à part justement Tango. Ben on ne sait toujours pas à quoi ça sert, en fait. Voilà, et il y a un soi-disant le concurrent de Microsoft, qui est ODG, qui a présenté des lunettes de réalité augmentée qui devaient être assez révolutionnaires, etc., que j'ai testées et qui ne sont juste pas terribles du tout. Donc, c'était un petit flop aussi. En fait, la VR, c'est pour les pros, maintenant. Il faut voilà, il y a la VR qui s'est stabilisée, etc. Mais la réalité augmentée, pour moi, c'est un flop, parce qu'on attend toujours de voir vraiment des choses convaincantes. Et puis, le flop, c'est... Oui, tous ces produits connectés qui servent à rien. Non, comment, mais c'est vrai. Comment il t'évacue la French voilà. Tech d'un revers de manche. Allez, rentre chez vous. Il y avait quelques Français. Le mug connecté qui sert à rien, le jean connecté qui sert à rien, la litière connectée qui sert à rien. J'en ai ramené un. J'ai fait une vidéo du jean. Je t'en ai ramené un pour que tu le testes. Oui, mais je sais marcher a priori. Ça va, ça me suffit. J'ai un smartphone. Il libre pour te dire de tourner à droite ou à gauche. Le casque pour faire pousser. Attends. Oui, alors les trucs. Vous n'y comprenez rien. C'est un premier pas. Avec les casques pour faire pousser les cheveux. Oui, c'est le concours l'épine. Voilà, des trucs. C'est le concours l'épine, ça. Voilà. Le casque pour faire pousser les cheveux. Il y avait pas mal de petits trucs foireux aussi. Bon, voilà. Ok. Parfait, merci beaucoup, Raphaël. Merci. Bon, il n'y a pas eu des trucs foireux quand même aussi. Non. On a retrouvé sur ZeroNet TV, voilà. Bien évidemment. On va revenir dans un instant avec Jean-Sébastien Zanqui et surtout Delphine Sabatier pour son Zoom Actu. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir Delphine. Directrice de rédaction de 01net. On va rester dans le CES. Et alors, on l'a dit, la grande vedette, la star incontournable, véritablement plutôt, c'était Amazon Echo.
star de ce CES 2017. C'était vraiment Delphine. Alexa, c'est-à-dire la technologie ouais. qui est apparue. C'est vrai, on l'a vraiment découverte dans Amazon Echo, qui est une petite enceinte en fait, qui permet de communiquer avec cet assistant virtuel d'Amazon, créé par Amazon. On peut lui commander de jouer de la musique, enfin, tout un tas de trucs très intéressants via cette enceinte. Là, avant même l'ouverture des portes du CES, d'ailleurs, c'était la veille, il y a eu un déferlement d'annonces nous prédisant un avenir sous le signe de Alexa, c'est-à-dire avec énormément, une toute nouvelle galaxie, énormément de produits qui vont embarquer cette technologie, donc ce nouvel assistant virtuel qui va partager notre quotidien finalement. On a eu des annonces sur un aspirateur, un lave-linge, une lampe, des télé 4K, des voitures, enfin on voit que l'univers est juste en train de devenir gigantesque, très étendu, on dépasse même le simple domaine de la maison finalement, et on peut se demander si ça va pas devenir finalement ce qui nous manquait. On parle souvent du flop des objets connectés, mais ce qui nous manquait aujourd'hui dans l'univers des objets connectés, à savoir une intelligence commune, voilà, qui rassemble exactement. Tout ça. Bon, alors Delphine, concrètement, cette Alexa, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau dans le monde des objets connectés? On en parle. Oui, alors ça devient, donc pour essayer de comprendre, en fait, ça devient une sorte de cerveau collectif, c'est-à-dire qu'elle va, une fois qu'elle est immiscée, cette technologie, dans un objet connecté, elle va pouvoir le contrôler, elle va pouvoir le piloter, et tout ça à travers nos ordres. C'est-à-dire que nous, on va lui donner des ordres de manière vocale, et ensuite, elle va demander à chaque produit qui lui est relié de s'exécuter. Donc, c'est une tour de contrôle absolument géniale. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat sur est-ce qu'on doit tout piloter à la voix ou pas. Je crois qu'à la maison, ça me semble plutôt bien trouvé. En tout cas, Whirlpool y croit beaucoup. Ils ont annoncé un lave-linge, je le disais, qui embarque Alexa. Mais ils ont aussi promis que toute leur nouvelle gamme embarquerait cette technologie désormais. Donc, on parle d'un four, on parle de tout ce qu'on peut avoir d'électroménager dans la maison. On a Samsung, lui, qui a annoncé que son nouveau robot, qui s'appelle le Powerbot, serait avec du Alexa Inside. Il y a General Electric qui a annoncé une belle lampe en forme d'anneau qui, elle aussi, va prendre ce rôle d'enceinte qui commande la maison. Il y a Lenovo qui a sorti une sorte d'Amazon Echo concurrent et qu'on va voir dès le mois de mai à $130. Il y a même un smartphone, le Mate 9, qui pourrait sortir dans une version, une édition spéciale avec Alexa au lieu d'un Google Now, ou j'allais dire Siri, mais c'était peu probable. voilà, donc c'est en train de devenir vraiment un hub pour tous nos objets connectés. Mais alors, est-ce qu'on pourra malgré tout y échapper? Ben, on a l'impression que rien ne va y échapper. C'est vrai que là, on est dans un déferlement d'Amazon. Il y a des concurrents, évidemment. Donc, il y a Apple, il y a Google, il y a Samsung aussi. Tout le monde veut devenir le pilote de nos faits et gestes au quotidien, notamment nos consommations aussi, parce que c'est à travers ces assistants qu'on va pouvoir surveiller ce qu'on achète, ce qu'on commande. Donc, Amazon, là, est juste en train de prendre une vraie avance sur ses concurrents. Il a passé l'accélérateur là en janvier. On verra pour la suite. Il y a déjà eu effectivement des millions d'Alexa qui sont vendus en 2016. Alors c'est vrai que nous, ça nous paraît énorme parce qu'on ne l'a même pas encore vu. Non, c'est en vrai France. Qu'elle n'est pas disponible. Alors en moi France, j'en ai un. Alexa ne parle pas français, c'est un scandale. Et donc on ne sait pas quand tout ça va traverser l'Atlantique, mais c'est à peu près certain que ça va arriver et ça va être compliqué pour les concurrents de se positionner. Alors moi j'en ai un depuis quelques semaines. Delphine, je vais vous inviter à. Qu'est-ce que le tu voir as fonctionner. Un Alexa, un Echo Dot, bon, qui parle qu'anglais, qui fonctionne essentiellement avec des applis américaines, c'est vrai, mais qui fait déjà des trucs, qui peut compter 3 minutes pour faire cuire un œuf, par exemple. Ouais. En fait, il fait minuteur, quoi. Il fait minuteur, ouais. Non, mais c'est vrai que ça. Il peut piloter des lumières, enfin tout ça. C'est intéressant de voir si c'est aussi une vraie intelligence artificielle, parce que c'est un assistant pour l'instant. Intelligent, mais est-ce que c'est une vraie intelligence artificielle? Non. Et ça, voilà. Mais je la pense réponse que pour est l'instant, non. C'est on non. Peut, on peut pas dialoguer. On peut pas vraiment. Faire de. Il n'y a pas de conversation possible. Ce sont des ordres mais très formatés qu'il faut lui donner. Elle a déjà 7000 compétences. Elle est capable de gérer 7000. Et puis en fait, c'est un écosystème sur lequel on peut plugger des applications, ce qu'ils appellent les skills, et on peut lui agréger des tas de choses jusqu'à 7000, différentes. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Mais voilà, à mettre à l'épreuve de nos tests prochainement, j'espère. Oui, et puis on espère qu'en 2017, Alexa arrivera en version française quand même. Oui. Merci ouais. Delphine. Merci. Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01. Direction maintenant, le labo. Et nous a rejoint François Bedin. Bonsoir. François. Bonsoir François. François qui a juste à côté, ici même,
un petit casque Beats. Vous savez que Beats a été racheté par Apple il y a quelques années de cela maintenant. Et on verra un petit peu ce qu'il vaut ce casque dans un instant. Peut-être avant Jean-Sébastien Zanqui. Mais avec plaisir. Avec plaisir. S'il est prêt. Toujours. Toujours prêt. C'est notre scout du labo. Ouais, moi, cette semaine, là, j'ai testé le Xiaomi Mi Mix, qui est un smartphone qui avait été présenté en fin d'année dernière. Le Mi Mix. Avec un petit nom rigolo. Ouais. Et alors, ça avait été impressionnant lors de la présentation, parce que Xiaomi l'annonçait comme un des premiers smartphones avec un écran sans bord. Alors, effectivement, quand on l'a en main, on se rend compte que il n'y a plus le bandeau tout à, au niveau supérieur de l'écran où il y a habituellement le haut-parleur, le capteur de photo selfie, et ce bandeau a disparu. Mais par contre, quand même, on retrouve un bord ultra fin qui fait 1 à 2 mm, mais ça a son petit effet parce que ouais, là, effectivement, là, l'écran occupe plus de 85% de la face avant. Effectivement, on voit que c'est celui que tu as entre les mains. Alors, par contre, il vient de me lâcher en batterie. Ah. Donc l'écran ne s'allume plus. Ce qui est quand même embêtant pour un smartphone. Heureusement qu'on a des images. Et il est très joli, il a un petit air de Sony, non ? Il a un petit air de Sony, effectivement. Un petit air de Xperia, il carré est comme ça. Assez grand, puisque l'écran fait quand même 6,4 pouces, donc c'est pas du tout un petit modèle. Visiblement, il adore les traces de doigts. Oui, il prend un peu les traces de doigts. Ouh là 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 là. On se croirait avec la. La version noire de G de l'iPhone. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils nous font pas des smartphones avec le revêtement, vous savez, un peu caoutchouteux, très agréable là, qu'on trouve après, sur certains produits high tech. C'est une question de design. Hein. Il part du principe que tu te sers pas. Tu en fait, c'est bizarre. On sait forcément qu'on va poser des doigts sur un smartphone. C'est pas fait pour rester sous cloche, quoi. Plus t'en as. Là, c'est foutu. Il est étanche. On peut lui faire prendre une douche. Non, il est pas étanche. D'accord. Donc il faut faire attention. Il ne met pas sous l'eau. Le Mi Mix, il est lourd, le Mi Mix. Il fait 209 grammes, il est assez lourd. En tout cas, voilà. Mais c'est l'image avec ce smartphone. Hein. Oui, tout à fait. C'est peut-être d'ailleurs l'une des grosses tendances qu'on va voir arriver en 2017, non ? Oui. Ces grands écrans avec qui sont borderless, comme on dit. D'ailleurs, on a vu les premières images qui ont fuité manifestement du S8. On voit qu'il n'y a plus de bouton en bas. Donc ça voudrait dire que le bouton d'accueil est intégré dans l'écran avec le capteur d'empreinte digitale. Là, il est encore derrière le capteur d'empreinte. Mais effectivement, on en parle aussi beaucoup pour l'iPhone 8 de cette année, donc ça peut être une grosse tendance d'avoir ces écrans immenses qui occupent la face avant. Et la caméra est en bas. Et la caméra, du coup, est déportée tout en bas. Ouais. On le trouve en France ou pas, ce téléphone ? Alors, il n'est pas importé, enfin, il n'est pas distribué officiellement en France, mais il y a des sites qui le vendent à autour de 640 euros. Donc, c'est quand même un modèle haut de gamme, puisqu'il y a du Snapdragon 821, c'est la puce haut de gamme de chez Qualcomm, qui est très bien gérée, qui chauffe à peine. Le seul défaut qu'on a trouvé, vraiment, c'est l'appareil photo. Alors là, c'est assez étonnant parce qu'en haute lumière, il fait des photos sympathiques. Alors, dès que ça devient un peu obscur, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire c'est vraiment un appareil photo d'entrée de gamme. Quoi. Donc, c'est encore ce qui fait la différence entre les bons et les excellents smartphones, c'est la photo. Et là, c'est un bon smartphone, mais pas encore excellent. Et la photo, ça pardonne pas. Oui. Hein, là, hein. Voilà, on roule des mécaniques en étant borderless, mais... C'est ça. Oui. Mais on fait pas de photos. Toi, c'est pas borderless, c'est borderline. Hein. On est photoless. Merci beaucoup. Merci. Jean-Sébastien Zanqui. Et on va terminer avec un casque audio, parce qu'on aime bien les casques sur 01net TV. Bah surtout celui-là, parce que le Beats Solo 3 wireless, on l'attendait, puisque Beats a été racheté par Apple, donc c'était intéressant de savoir ce qu'ils allaient faire, ou plutôt ce qu'ils n'allaient pas faire, puisque extérieurement, bah c'est un Solo 2 wireless. Donc extérieurement, Johnny Ive n'est pas passé par là. Et ils ont repris le design que certains apprécient et d'autres détestent, puisque c'est vraiment un design tout plastique. Et par contre, c'est à l'intérieur qu'il y a eu des modifications, puisqu'à l'intérieur, ils ont mis le fameux petit circuit qui s'appelle le W1, qui est le circuit d'Apple qu'on a rencontré dans les AirPods. D'accord. Alors, à quoi donc, qui permet l'appairage facile. Alors, voilà, ce circuit a vraiment un avantage, c'est qu'il permet un appairage en Bluetooth très très simple. Il plaît beaucoup à Noémie, visiblement. Il suffit juste de le mettre à côté de l'iPhone pour que ça s'appaire tout seul. Et ça, c'est quand même assez génial. Il n'y a plus le problème de lancer des recherches, de lancer le mode d'appairage de l'autre côté. Alors, plus le problème, sauf si évidemment, on n'a pas un appareil sous iOS 10. Donc, si on a, par exemple, une tablette Android, on est obligé de faire comme d'habitude. Oui, on appaire le téléphone, voilà. D'accord. Donc là, on a fait l'essai avec un iPhone 7 et un iPhone 5C sous iOS 10 pour voir ce que ça donnait. Alors, il y a eu une mauvaise surprise au départ, c'est que selon la documentation, il suffit juste de l'allumer, de lancer le Bluetooth sur l'iPhone et ça devrait marcher tout seul. Eh ben non, ça n'a pas marché. Ça marche pas. Donc on a essayé, on l'a laissé à côté, il ne s'est rien produit.
Alors, François, donc à ce moment-là, tu l'as démonté. On a refait une autre manip toute bête, c'était en fait de lancer l'appairage, qui consiste juste à appuyer sur le bouton marche arrêt pendant 5 secondes, ce qui n'est pas très compliqué. Et là, miracle, effectivement, ça apparaît et on peut tout de suite le connecter. Donc, c'est pas aussi simple que ça, alors, quand même. Est-ce que c'est ce modèle-là qui avait un problème? Est-ce que, parce qu'il était, je sais pas, trop près, trop loin? Moi, j'ai demandé à Beats un petit peu de me fournir une explication en leur disant que voilà, c'était pas ce qui marquait dans la documentation. J'attends de voir ce qu'ils me répondent. Mais il n'empêche que la fonction, elle est opérationnelle. Parfait. Autre chose. Il coûte combien ? Autre chose, juste, ils ont changé le son. C'est-à-dire que sur le Solo 2 Wireless, il y avait vraiment un son qui donnait vraiment, qui mettait les basses en avant. Mm-hmm. On avait vu ça sur la mesure de la bande passante. Le son est beaucoup plus équilibré. D'accord. Bon, par contre, il manque quand même de chaque côté de la bande passante, c'est-à-dire du spectre des fréquences, ça manque en grave-grave et en aigu-aigu. Donc, il faudrait faire ce qu'on appelle un réglage en V, c'est-à-dire rehausser les basses et les aigus. Et là, on a vraiment un son super agréable. D'accord. On peut dire que le son s'améliore sur les beats ? Là, il est différent et je le trouve mieux parce que justement, il n'y a pas ce déséquilibre. Parce qu'il n'a pas forcément bonne réputation auprès des... Pour moi, ce n'est pas le meilleur son. C'est-à-dire que j'en arrive à la conclusion suivante, pour 300 €, parce que c'est quand même 300 €, on paye la marque. Alors, c'est-à-dire que pour quelques dizaines d'euros de plus, j'ai oublié une chose quand même qui est très importante, c'est que celui-là, il est quand même génial sur le plan de l'autonomie, parce que le Solo 2 Wireless, on l'avait mesuré à 17 heures, là, il monte à 45 heures de fonctionnement. Ouais. Donc sur ce plan-là, ils ont vraiment bien réussi le coup. En tout cas, il est léger, il est agréable. Voilà, mais on paye vraiment, alors ceux qui adorent Beats, c'est évidemment, comme le prix est le même entre le Solo 2 et le Solo 3, sauf que le Solo 2 a baissé évidemment de prix, donc ça peut devenir intéressant. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas changé le prix de lancement. Eh bien voilà, Beats qui vraiment a été intégré dans Apple, on le voit. Bon, c'est vrai, mais je trouve qu'au niveau finition, ça fait pas un petit peu quand même, non ? C'est plastique. C'est du plastique robuste, mais c'est du plastique quand même. 300 € un casque comme ça, enfin bref. Il te va bien, mais je préfère voir Noémie avec, si tu vois ce que... Enfin bon, évidemment. C'est une question de goût. Évidemment, je te comprends. François Bedin, merci. Merci François, petit tour. Merci à Jean-Sébastien Zanke. Merci. Du côté de la question 01net Orange, comme chaque semaine... Alors, c'est le sondage de la semaine. 10 ans après, l'iPhone est-il toujours le smartphone de référence selon vous ? Eh bien non. Vous pensez que non. Donc, il se serait fait distanter probablement par certaines vedettes Android. C'est vrai qu'il y en a eu tout au long de ces dernières années. Après, c'est intéressant. Une question de goût tout ça. Continuez de voter, évidemment, ce sondage reste là toute la semaine. Notre question 01net Orange. Mais on peut dire qu'il l'a été pendant très longtemps, mais il a probablement perdu ce leadership. Avec une concurrence aujourd'hui quand même assez, assez forte partout. Ce 01 live est terminé, les amis. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. On sera là. On sera là, bien sûr, jeudi prochain. Il rigole là-bas dans le fond, là. Pierre Thiolin, Jean-David Duart, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être le jet lag qui les fait rigoler. Ça va être le décalage horaire. Ouais, je pense que on va aller dormir un petit peu, je crois. Donc là, si vous voulez, on ne sait même plus quelle heure il est là. Il est 18h, mais il pourrait être 4h du mat, on ne sait pas trop. Moi, j'ai un breakfast là, tout de suite. Exactement. Moi aussi. Portez-vous bien. Si vous avez raté le début, il y a le replay. Et on revient jeudi prochain. Salut à tous. Salut à tous.